Il en faudra sans doute plus pour gâcher la belle séquence vécue par le PSG depuis 10 jours. Que ce soit en coulisses ou sur le terrain. Tandis que les dirigeants parisiens sont parvenus à boucler les deux dossiers prioritaires de cette fin de mercato en recrutant sur le fil Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Les troupes de Luis Enrique ont validé le recrutement parisien en enchaînant deux belles victoires, la première au Parc des Princes face à Lens 3-1 et la seconde, dimanche, à Lyon 1-4. Mais, peu avant le match de dimanche, Neymar s'est rappelé au bon souvenir des Parisiens en livrant quelques propos bien acides sur le club de la capitale. J'étais très heureux pour Messi. Pour sa saison, même s'il a tout connu. Il est allé au paradis avec l'Argentine, il a vécu l'enfer à Paris, nous avons vécu l'enfer lui et moi, a-t-il ainsi lancé dans une interview accordée à O Globo. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir au sein du PSG. Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG. S'est néanmoins contenté de répondre un dirigeant parisien dans les colonnes de l'équipe ce lundi. Une réponse cash qui vaut pour Neymar comme pour Lionel Messi. Car avant son compère brésilien, transféré en Arabie Saoudite début août, l'Argentin avait également lancé quelques banderilles à destination du PSG. C'était beaucoup plus facile que nous le pensions. Nous avions vécu l'expérience de Barcelone à Paris. C'était compliqué, mais c'était différent, a ainsi confié cet été l'Argentin au moment d'évoquer son adaptation express à Miami. Évoquant au contraire une expérience difficile à Paris.